Mais c'est parce que quand ça tombe, ça prend automatiquement une forme sphérique. Alors, ça prend la forme sphérique. Et alors, ce qui va être rigolo, ça va être quand on va le mettre en bouche. Donc, je vais récupérer les petites billes. Et là, ça va moins fondre que le chocolat, peut-être. Alors là, ça marche totalement parce que vous allez voir dans la petite cuillère que les petites billes se tiennent. Il n'y a pas de souci. Là, vous avez les petites billes. Elles sont en principe qui ne veulent pas la même chose. Alors, si on prend son temps, qu'on s'amuse, etc., voilà. Donc, je peux vous demander votre main pour goûter les petites billes. Ça se mange, il n'y a aucun... On part à la base de menthe, donc le but du jeu, c'est pas non plus de gâcher la menthe juste pour faire une expérience, c'est quand même de déguster sensoriellement. Alors, goûtons. Alors, goûtons, j'en ai pas assez pour tout le monde, mais je pourrais en refaire. Mais on va leur dire. C'est pas mauvais, c'est ça qui est intéressant. En plus, c'est pas mauvais. Ouais. T'es pas obligé de rester devant tout le temps, tu vois. Par contre, tu n'oublies pas, tu jettes un petit coup d'œil. Non, c'est juste que c'est trop grand. Je te laisse tenir. On a essayé de cuire de la mauve, et puis c'était fadasse. La couleur était en l'œil. Alors là, c'est parti. Tiens. Thank you.